Bonjour et bienvenue dans la deuxième vidéo sur le groupe de lettres OIN. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à écrire des mots dans lesquels on retrouve le groupe de lettres OIN. Commençons par un rappel des lettres OIN dans les différentes écritures. En capitale, en script, en cursive. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à écrire des mots dans lesquels on entend OIN, donc dans lesquels il faudra écrire les lettres OIN. Quelle est l'écriture que tu vas utiliser? Oui, tu as raison. Tu vas utiliser l'écriture cursive. Avant de passer à l'écriture de mots, tu vas vérifier que tu arrives à lire des mots avec les lettres OIN. Souviens-toi, quand je vois OIN, je lis OIN, comme dans un point. D'abord, tu lis, et ensuite, c'est à mon tour pour que tu puisses vérifier qu'on a lu la même chose. Un point. Le groin. Tu te souviens? C'est le museau du cochon. Besoin. Pointu. Du foin. Après l'échauffement de lecture de mots, nous allons passer à l'écriture. Regardons d'abord ensemble comment écrire le groupe de lettres OIN. Regarde le geste et les lignes. Les trois lettres se trouvent entre la terre et l'herbe. Je fais le point sur le I quand j'ai terminé d'écrire les lettres. Je te laisse mettre la vidéo sur pause, t'entraîner à écrire les lettres OIN sans lever le crayon et tu relanceras la vidéo ensuite pour l'écriture de mots. Es-tu prêt maintenant pour l'écriture de mots? Alors, dans ces mots, tu vas entendre OIN et tu vas l'écrire avec le groupe de lettres OIN. On commence avec le mot loin. On peut trouver dans la phrase « Je ne t'entends pas, tu es trop loin. » C'est parti, je te laisse un petit moment pour écrire « loin ». On regarde ensemble. « Loin », L-O-I-N. Bravo! On continue. Tu vas écrire un coin. Comme dans la phrase, j'ai vu une araignée dans un coin de ma chambre. Un coin. On regarde ensemble. Un coin, C-O-I-N. Bravo! Prépare-toi à écrire du foin. Comme dans la phrase, les chevaux ont faim, je leur apporte du foin.
On regarde comment écrire du foin. Foin, F-O-I-N. Bravo! On continue avec le mot pointu. Comme dans la phrase, la sorcière a un chapeau pointu. On regarde ensemble. Pointu. Pointu. P-O-I-N-T-U. Bravo. Pour finir, tu vas inventer, puis écrire une phrase dans laquelle il doit y avoir un mot avec oin. Tu peux utiliser les mots que tu as écrits ou ceux que tu as lus. Coin, loin, foin, soin, pointu, groin. C'est toi qui choisis. Regarde la phrase que j'ai écrite. Mon lapin se cache dans un coin pour manger du foin. J'ai utilisé le mot coin. Et tu l'as trouvé le deuxième dans lequel on entend moins? Eh bien oui, c'est foin. À toi maintenant d'inventer une phrase et de l'écrire. N'oublie pas, majuscule et point sont les meilleurs copains. J'ai hâte de lire la phrase que tu as inventée. En attendant, je te dis à bientôt.